mon sport quotidien, les marches, mon arthroise. Et là, on arrive à la maison. Oh là, manita. Hop. Alors, bonjour, bonjour. Je rentre de 4 heures de répétition, mais je vais quand même vous présenter mon meilleur ami. Le voilà. Donc, je m'appelle Valentina, j'ai 25 ans et que j'ai toujours sur le dos, que je sois à Paris, en vacances, dans l'avion, partout. Je dirais que c'est mon père, chef d'orchestre, qui me l'a mis dans les mains et ma mère qui m'a transmis l'amour pour la musique en général, parce que bah, on a toujours eu de la musique à la maison. Que ce soit la musique traditionnelle mexicaine, du côté de ma mère, mon père, il mettait ses disques d'orchestre classiques, et ma mère qui me chantait des berceuses en espagnol. Voilà. Et puis, bah voilà, comme je vous disais, je rentre de répétition, mais je vais quand même vous sortir quelques sons. Déjà, je vais m'accorder. Découverte de musique actuelle, peut-être de composer, de commencer à composer des chansons où je puisse à la fois jouer, chanter, parce que mon parcours a été... j'ai commencé par le conservatoire, donc très classique, carré, on va dire. Dans le milieu de la variété, de la chanson, du rock. J'ai pas mal joué avec la femme. Là j'ai les vinyles, donc c'est vraiment du rock actuel et j'adore le fait qu'avec mon instrument, je peux nager dans tous les styles de musique différentes. J'adore ça, et puis les rencontres avec les artistes, les compositeurs, milieu de la musique de cinéma aussi, la musique de film, c'est magnifique, il y a plein de choses à faire. Et voilà. Et peut-être que mon rêve un peu que j'aimerais faire, que j'avoue pas trop, j'ai du mal à m'y mettre, mais c'est de chanter aussi. Donc c'est un rêve un peu que j'ai à l'intérieur de moi, il faut que je trouve les personnes avec qui ça peut marcher. Voilà, j'espère que je ferai ça.